J'ai toujours rêvé de jouer à Sainte-Marie aux Mines. Et c'est ce soir, c'est formidable. Mais c'était magnifique ça, vraiment, c'est vraiment. Alors, évidemment, il y a d'autres rêves que je n'ai pas encore assouvis, n'est-ce pas, mais qui sait, avec la force là, que vous voulez de nous donner d'entrer avec ce retour public là, qui sait. Par exemple, j'ai toujours rêvé d'être un chanteur maudit, qui resterait à jamais incompris. Je cracherai sur le système, je crèverai dans la misère, mais ma femme ne veut pas. C'est peut-être pour ça que j'en suis là à chanter des bêtises sur scène depuis des années. Voilà. Alors, il va y avoir au fil de ce spectacle des petites ponctuations musicales, hein, que moi j'appelle des chansons courtes, comme celles que je viens de vous interpréter. Alors, les chansons courtes, qu'est-ce que c'est? C'est des chansons qui ne sont pas totalement finies, hein, comme celle-là. Et il y en a parmi vous qui vont se demander à des moments si elles ont réellement commencé. Alors pour que ce soit bien clair entre nous ce soir, je vais vous en faire une deuxième, comme ça vous ne serez pas surpris la prochaine fois. Comme mon chien ne rapportait pas, je l'ai appelé livré à... Oui, ah oui. C'est ça, c'est le genre. Bon. Assez rapide, assez rapide. Ah mais c'est l'avantage des chansons courtes, c'est que si vous faites chier, ce soir ça va passer plus vite. Hein. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous aurez sans doute remarqué quelque chose. Bon, évidemment, il n'y a pas grand monde qui me connaît dans la région. Bon, mais tel que vous voyez ce soir, messieurs-dames, en quelques mois, pour être tout à fait honnête, je suis passé de 121 kg à 80 kg. Oh, ah, merci. Le régime, c'est le contraire du foot, c'est quand t'as perdu que les gens applaudissent. Ça va pas comprendre. Alors pour être encore plus honnête avec vous, j'ai compris quelques-uns. Je suis descendu à 80, mais là je suis à 87, on va dire 88. Mais la convivialité, vous savez ce que c'est. Alors évidemment, j'en vois parmi vous qui sont assez dubitatifs hein, sur ce que je viens de vous révéler. Alors je ne suis pas venu les mêmes vides à cette Marie aux Mines ce soir. J'ai apporté la preuve de ce que je viens d'avancer, n'est-ce pas? Alors attention. Hein. Avant. Après. C'est bien moi, hein, c'est... Regardez, si je me mets à côté comme ça, que je gonfle les joues, regardez... C'est moi, pas de trucage. Pas de photomontage. De toute façon, une image aussi lourde, Photoshop la traite pas, ça vous le savez. Et quand j'étais comme ça, il y a quelques années, il y a 3 ans, hein, j'étais obèse, ça s'appelle obèse, obèse de type 3, de type morbide. Ça s'appelle malheureusement comme ça. Je disais que je me sentais bien dans ma peau parce qu'il y avait la place. La preuve, c'est que, regardez, je peux me cacher derrière moi. Ah, j'ai d'ailleurs lu cette semaine que l'obésité reculait en France. Pour la première fois. C'est bien. Faites attention quand même à ne pas rester derrière. On ne sait jamais, parce qu'un obèse, quand ça recule, ça ne fait pas tu, tu. Comme les camions, hein, d'accord hein. Vous voulez savoir comment ça s'est passé, cette transformation? Oui. Ce passage-là de Dumbo l'éléphant à Bambi. Les filles, ça vous intéresse ou pas? Oui. Oh, ouais, j'en ai vu certaines, ça devrait les intéresser. Ouais. Oh, ben, je m'en fous. C'est le jour où mon toubib m'a dit pense ce mas mec et oui il parle comme il écrit. Je vous traduis là ou pas là?